Ce jour-là au bois de Chaville, il y avait du muguet. Si ma mémoire est docile, c'était au mois de mai. Au mois de mai, dit le proverbe, fais ce qu'il te plaît. On s'est allongé sur l'herbe et c'est ce qu'on a fait. Comme nous étions sous les branches, bien dissimulés, samedi soir et France dimanche n'en ont pas parlé. Le lendemain de cette aventure, nous avons acheté un traité de puériculture et de quoi tricoter. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. Quand je songe aux conséquences de ce jour charmant, je me sens rempli d'avance d'un très grand tourment. Car par ma faute il va naître un pauvre ingénu qui va forcément connaître tout ce que j'ai connu. Le pion, l'adjudant de semaine, le meilleur ami, autant de choses inhumaines, plus qu'il n'est permis. Et des tas de choses inutiles, comme les traités de paix, les savants, les sergents de ville et le chef du budget. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. On t'enverra faire la guerre dans les fantassins, pour que ceux de la dernière soient pas morts pour rien. C'est ce qu'on a dit à mon père et c'est ce qu'on m'a dit. Ça revient de façon régulière, tout comme les radis. Voilà mon cher petit homme, tout ce qui t'attend, parce que j'ai croqué la pomme un jour de printemps. C'est peut-être une folie, mais si tu voyais comme ta maman est jolie, tu me pardonnerais d'avoir été à Chaville cueillir du muguet.